Hey, salut à tous, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu complètement à l'opposé de Movie Star Planet, mais carrément, j'ai complètement... Là, on n'est plus du tout dans l'univers Movie Star Planet, là, on a complètement quitté, là. Aujourd'hui, on se retrouve sur Soul Worker, donc c'est un MMORPG. Donc, sur ce jeu, c'est très simple, vous incarnez un personnage, donc il y a pour l'instant Lily, donc moi, Lily, Stella, la petite, là, la petite en blanche. Il y a aussi Haru, une fille, la fille de base il me semble, donc la voici, et on a aussi Erwin, donc j'ai pas de Erwin sous la main là, donc c'est un garçon, il est là-bas. Donc voilà, on a plusieurs personnages, bientôt il y aura deux nouveaux personnages, dont une fille et un garçon, donc un garçon qui se combattra avec ses poings, et une fille qui a un espèce d'énorme gun, je sais pas du tout ce que c'est, donc voilà, je me suis vite fait renseigner, j'ai vite fait regarder, elle a l'air plutôt sympa, et je vais pas m'arrêter sur Lily, hein, ça c'est sûr. Donc pour l'instant moi je n'incarne que Lily, donc Lily a une faux, donc voilà, elle combat que à la faux. Donc je suis actuellement level 50, donc le plafond de level pour l'instant c'est niveau 55, donc voilà, c'est assez simple quand même à monter de level. Après, ce n'est pas forcément un jeu qui se joue toute la vie solo, donc vous avez besoin quand même soit d'être aidé par votre guilde ou soit aidé par d'autres personnes. Vous ne pourrez pas réussir les niveaux tout seul à moins que vous soyez super tip top quoi. Enfin moi j'ai toujours eu besoin d'aide et toujours eu besoin de jouer avec quelqu'un. Donc si vous voulez télécharger ce jeu, il est gratuit, voilà, il est sur Steam, vous pouvez le télécharger sur Steam, donc voilà. Après, tout dépend de votre connexion, je ne connais pas votre connexion, donc ça peut mettre un certain temps, comme ça peut aller très très vite. Donc forcément, si vous n'avez pas Steam, et je le répète encore, vous pouvez pas le télécharger, ça vous téléchargera automatiquement Steam, il me semble. Donc j'y joue depuis quelques mois avec mon copain qui est donc qui incarne le personnage de Stella, qui est surtout ici pour faire des soins, pour les soins. Donc bien sûr, vous avez tout un truc de sorts. Ici, c'est vos sorts. Vous pouvez bien évidemment les augmenter. Surtout, c'est obligé de les augmenter, sinon vous ne pourrez jamais avancer dans le jeu. Vous avez aussi une boutique premium où vous pouvez acheter des choses, mais avec de la vraie argent. Attention, c'est comme sur Movie Star Planet, vous achetez des vrais vêtements ou quoi aux caisses. C'est un certain prix, c'est normal. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé d'acheter des choses. Vous pouvez loot des plans et vous créer des choses comme la clé à molette que j'ai dans le dos ou le petit sablier. Voilà, vous pouvez loot pas mal de choses pour vous créer plein de petits trucs. Donc au début du jeu, forcément, vous tomberez à Ruko, ici où je suis actuellement. Vous allez avoir aussi un tutoriel. Donc bon, je ne peux pas vous le montrer parce que voilà, je peux pas. Mais si vous voulez que je fasse une série de vidéos sur Soul Worker pour un nouveau personnage, par exemple Stella ou Haru ou Erwin, il n'y a pas de problème, dites-le moi en commentaire, ce jeu est plutôt sympa, moi je l'aime bien. Donc alors aussi, si vous voulez jouer avec moi, ça ne va pas être possible parce que normalement quand tu crées ton compte, donc tu es niveau 0, tu ne peux pas jouer avec un level 50. Le problème c'est que si tu joues avec moi, je vais te bouffer tout ton XP en fait. Tu n'auras pas d'XP à cause de moi parce que je suis trop level. Du coup bah c'est compliqué. Donc pour l'instant, si tu ne montes pas tes levels, voilà, level 40 par exemple ou 50, ben tu pourras pas jouer avec moi. Donc voilà, après tu peux jouer avec des autres gens et moi je peux t'aider pour faire quelques donjons, mais pas tous. Donc je mettrai le lien de téléchargement dans la description sur le site officiel. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu, je ne fais que de jouer à ça, limite j'ai complètement laissé tomber Movie Star Planet pour jouer à ce jeu, c'est beaucoup mieux que Movie Star Planet. Et bien voilà, donc voilà, je vous invite à jouer à ce jeu, après je pourrai venir vous rejoindre et tout ça, vous pourrez m'ajouter en ami, il n'y a pas de problème. Donc mon pseudo c'est Melo Kimiko, hein. Et moi sur ce, bah, je vous fais des gros bisous. Moi je vais aller jouer. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.